Commentant l'apparition surprise de Meghan Markle dans The Ellen DeGeneres Show, un correspondant royal a écrit que la duchesse de Sussex cherchait à renforcer son image après s'être excusée pour avoir induit un tribunal britannique en erreur. Écrivant pour le Daily Express britannique, a déclaré Richard Palmer, certains médias américains ont jusqu'à présent largement dépeint l'épouse du prince Harry comme une victime. Parlant d'un article du New York Times, il a déclaré, je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que le New York Times a couvert l'audience d'appel le jour où il organisait un événement au cours duquel Meghan a pris la parole. Il a déclaré que l'article géré par le site web de la publication avait publié l'histoire à la fin de la semaine dernière. C'est un article intéressant car il soulève le problème de crédibilité de Meghan auprès d'un public libéral de classe moyenne de la côte, a écrit Palmer en commentant les titres de l'article de Nitim.com pour Meghan, une image rendue dans un écran partagé Royaume-Uni-États-Unis. Il a ajouté, mais cela répète également bon nombre des fausses hypothèses qui ont rendu une grande partie de la couverture médiatique américaine de la sortie des Sussex si peu fiable.